Banda Juhudi. Ni provanda yoyo yokona ya dushikirie hano eh kuko urya si hose yitaba kandi barambiye kutari hose witaba fani yesi eh n'umugenzi provanda n'umugenzi kandi ategeza kunyitabi one word prison. Murakurikirana nko mumubona ni Madame Eve Melody nawe nyene niwe yababereye marraine igihe bubaka ugwabo nawe akaba yaje gushigikira umukobwa wiwe nkuko murabikurikirana agasubire ni kabien sana ndakuramukije Iga Hani Asma CEO wa Hani Cream ndakuramukije DJ Fanny bite byawe meze neza neza Yego merci. Merci beaucoup chérie. Et non moi aussi murahimbaza isabukuru y'amavuko y'umukobwa wawe wababereye marraine. Uyumva gute nk'umubyeyi? Ndanezerewe cyane kubona ko aguma asaza kugira nzoro nk'abandi buzukuru benshi. No kugushika umukobwa wageze kuri ino ntambwe wewe nk'umubyeyi wamubaye hafi marraine wowe ari umubyeyi wowe ubyumva gute? Ya very proud kabisa. Ndi proud nawe cyane kandi ni ikintu cyiza cyane urabibona ko atari kubakunze b'amavuta ya Ni Asma wabwiye. Ndabwiye babandanye kutagatana bari kwibanira bro. Gusa neza. Merci. One word. I'm prison. Madame Farah Khashoggi. L'incro. Comment on dit? C'est vrai.
En fait, elle me dit que c'est la Kardashian. En fait, moi, j'ai juste. Je le fais juste qu'annoncer. En fait, c'est le moment de couper le gâteau. En fait, il y a trois gâteaux. Je voulais juste vous dire. En fait, je vais vous donner juste l'histoire de ce truc, de cette maison que vous voyez ici. Et comme ça, vous allez comprendre pourquoi nous faisons ça et pourquoi vous êtes là. Si vous me l'accordez, bien sûr. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais je vais juste donner un petit résumé. Comme ça, vous comprendrez. Et vous comprendrez à quel point je suis heureux, à quel point je suis vraiment, vraiment fier de moi. Je pourrais dire ça. Hein? Parce que cette maison, si je l'ai bâtie et que vous la voyez aujourd'hui, franchement, ça vient de loin. Hein? J'ai commencé en étant étudiant. À l'époque, je me rappelle bien, j'étais en Belgique, je faisais des jobs étudiants, vous vous imaginez. J'ai quitté l'école, j'allais travailler. Et quand j'ai pu, disons, avoir une certaine somme, mon père était déjà rentré parce que lui, il est rentré en 2003. Nous, on est resté là-bas. Alors, il m'a dit, et en fait, c'est moi qui l'ai appelé. J'ai dit, en fait, j'aimerais avoir une parcelle quelque part. J'ai dit, mais moi, ça fait longtemps que j'ai quitté le Burundi. Ça faisait presque plus de 15 ans que je n'avais pas mis les pieds au Burundi. Il m'a dit, tu vas dans quel quartier? Mais moi, je connaissais les anciens quartiers. Les nouveaux, je ne connaissais pas. Il m'a parlé de Gasekevouye, je ne sais pas, Kibenga. À l'époque, je ne connaissais rien du tout. Les Kibenga, quand moi, je suis parti, il n'y avait pas les Gasekevouye, vous voyez, il n'y avait pas. J'ai dit, mais choisissez pour moi. Comme vous êtes déjà là, vous pouvez choisir pour moi. Il a dit non. Lui, il avait trouvé à Gasekevouye. Mais à un certain moment, il m'a dit non. On m'a dit qu'il y a un problème d'approvisionnement d'eau. J'ai dit, mais quand vous êtes là, débrouillez-vous, trouvez-moi quelque chose. Il me dit, on m'a signalé qu'il y avait une parcelle vide à Kinanira 3. J'ai dit, ça c'est où ça? Quand moi je suis parti, il n'y avait pas de Kinanira 3. Parce que nous, on avait quitté ici en 93, 94, si je me rappelle bien. À l'époque, il n'y avait pas de Kinanira 3, il n'y avait pas de Kasekevouye, il y avait. On connaissait les anciens quartiers, Buiza, Buyenzi, Nyakabiga, Roero et tout ça. Mais les Kasekevouye, les Kibenga, moi je ne connaissais pas du tout. J'ai dit, mais quand vous êtes là, vous choisissez pour moi? Ben, je débarque. En 2003, si c'est en 2004, pour la première fois, j'étais venu pour les vacances. Il m'a dit, voilà, je vous ai trouvé quelque chose. J'ai dit, ah, c'est bon, c'est intéressant. Il m'a dit, c'est petit, mais ça va aller. C'est un très bon quartier, à ce qui paraît. J'ai dit, ok, on va voir. Je suis venu, il m'a présenté. À l'époque, toute cette maison que vous voyez juste à côté, il n'y avait pas. Hein? C'était vide, et il n'y avait que des trucs. On faisait de l'élevage de vaches, si je ne me trompe pas. Toutes ces maisons que vous voyez juste en face ici, il n'y avait pas. En fait, je suis parmi les premiers qui ont construit sur cette avenue. Toutes les maisons d'en face, il n'y avait pas. Alors, j'ai dit, ben, pour moi, c'est pas petit parce que vu les gens qui ont habité en Europe connaissent, hein, vu ce qu'on est habitué à vivre en Europe et vous venez ici, vous trouvez une parcelle aussi grande, vous dites, mais bon, ça va pour moi. Hein. Petit à petit, j'ai eu à économiser, j'étudiais, j'ai fait mon petit job, les jobs étudiants et tout ça. J'économisais quand même quelques sous. À un certain moment, j'ai dit, ok. À un certain moment, j'ai dit, ok, j'ai assez pour les fondations. En fait, parce que beaucoup de gens, pendant un certain moment, ils ont pensé que c'était mon père qui m'avait légué ça. Et pourtant, c'est pas vrai. Cette maison, je l'ai construite de A à Z avec mes propres moyens. Il n'y a pas un seul sou, ni de mon père, ni de ma mère, ni de mes soeurs, ni de n'importe qui. Du premier centime jusqu'à la dernière, dirais, c'est mes moyens propres. Mon père, tout ce qu'il a fait, comme il était architecte de formation ingénieur, il m'a dit, je vais te faire quelque chose de moderne. Il m'a juste fait le plan. Mais tout... En ce qui concerne le financier, je vous dis, de la première pierre à la dernière, efo perso, comme on dit en notre langue maternelle, egonza, efo perso, yipsa bango, effort personnel. Il n'y a pas un seul sou, il n'y a personne aujourd'hui qui viendrait dire que non, moi, tu me dois ceci ou cela parce que je n'ai pris
ni l'argent du crédit, ni l'argent de quelqu'un d'autre pour construire cette maison. Je l'ai fait par mes propres moyens. Et aujourd'hui, j'ai dit, Alhamdulillah, comme on dit dans notre religion, Dieu fait grâce. Vous voyez ce qu'on a fait et voilà. Ben, ça, c'était juste un petit résumé pour comprendre ce qui s'est passé avec le temps. Mais ben voilà. Mais ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'abnégation aussi. Parce que c'est pas vraiment facile. Pour mon âge, c'était mon rêve et je l'ai réalisé. J'ai toujours rêvé d'avoir quelque chose comme ça. Et moi, quand je m'y mets, je préfère que ça prenne du temps, mais que ça sorte vraiment très beau. Et j'espère que vous appréciez le résultat. Oui. Alors, la deuxième raison pour laquelle vous êtes ici, c'est l'anniversaire de ma compagne, la première ministre, la ministre de la Défense, celle qui gère tout, celle qui fait tout. Ah oui, les gars, je vous l'ai dit l'année passée, je vous le répète aujourd'hui. Ce sont elle qui gère tout. Ministre de l'élevage, de l'agriculture, parce que c'est elle qui élève. Hein. Ministre de la Défense, c'est elle qui garde la maison. Hein. Ah oui. Alors, aujourd'hui, on est là pour fêter son anniversaire et je voudrais qu'on lui souhaite un très très bon anniversaire. Et la troisième raison, vous savez, c'est laquelle? C'est aujourd'hui notre anniversaire de mariage, en fait. On a trois raisons pour être heureux aujourd'hui. On fête l'anniversaire, l'inauguration et l'anniversaire de mariage, alors. C'est pour ça que vous allez voir qu'il y a trois gâteaux différents. Et les trois gâteaux symbolisent chacun quelque chose de particulier. Alors, j'espère que vous allez partager avec nous le gâteau qui est là et tout le monde sera content et bien voilà. Allez, DJ, une petite musique d'anniversaire et on va couper le gâteau. Allez, Chouchou, un petit mot pour les invités. Chouchou de Karemba. Bonsoir, bonsoir. Et la Gigi, la Kardashian. Bon, je voulais dire merci, merci beaucoup. En tout cas, moi, je suis très bien. Je suis très bien. Waouh. En tout cas, je suis très bien. Tu dis que moi, je suis très bien. Avant tout, moi, je suis très bien. Pas bon, je suis la marraine, je suis très bien. Bon, d'ailleurs, Chane, et d'ailleurs, je suis un peu plus jeune, je suis un peu plus jeune. Yeah. Bon, nous avons fait trois choses. So I'm very happy to see all of you here. So I'm so happy. I can say that. You can see me now. I'm sorry. I like to speak English, but my husband likes to speak French, but me, I like to speak English. But I think all of you here can see me here as I'm so happy. I can say that. I'm so happy. And you can enjoy with us. And you can eat as you want. Everything is here. You can drink as you wish. You can drink as you wish because everything is here. Yeah. So
Thank you very much. Bye. My husband, kuko yashoboye kugira ibishoboka kugira ngo to make my day. Hari cyo twakwibagiye. Hari umuhungu wacu w'imfura dufashije muri iki gikorwa mu nyangaha. Akaba yitwa Rams Ramazani. Papa Bonheur. Uyu numuhungu wacu wa mbere. Abantu nuko atazi histoire yacu mwabo abayizi baziko twavuye kureje nawe. Nico gituma ndamufitiye cyo bita confiance totale avec à 100%. Naho nahari nziko demain après demain nahari azondirira abana niyo mwara ndabutware azobandabira neza andabira umugore nico kitwa ndabwiye nti confiance 100%. Ninde urumva rero bosi amboko umependeza sana. Nashukuru sana. Iziba mbo ni moto. Eh bana, mama yake hiyo kazi yake. Best life. Yeah. Yaje sana. Poa poa. Nzima. Kazi kama kawa. Safi tu. Waongea na watu wa deputy. Bo, watu wetu hawa tunawapenda kila siku, wanatusapoti na wako kwa ajili yetu, tunawapenda sana. Uyo. Asante sana. Eh, nashukuru sana.
One word. I present the beat. Thank you.
matunda juhudi.